moi, le joueur, mon pays représente beaucoup plus quand je suis parti à l'étranger. Parce que quand tu es ici, tu es enfermé dans une culture villageoise, tu vois, et quand tu te mets, tu pars, tu vois ce qu'on fait de temps en temps, tu te dis, mais on a que ça à faire. On se dispute pour des. La politique est grandement responsable, évidemment, mais finalement, on n'a qu'un problème de langue chez nous. Mais au niveau de l'équipe nationale, il y a une histoire d'amour, il y a un livre qui s'écrit. Et je vais dire que 70% des joueurs sont bilingues, si ce n'est pas trilingues. Et c'est ce qui fait notre force aussi. Que tous ces gens-là sont au-dessus de tout ça. Ils viennent vraiment pour la Belgique. Rassembler les Belges, ah oui. Oh que oui. Regarde maintenant que cette génération ici, elle a une lourde responsabilité parce que justement, ce pays-là, ben, il est derrière. Quand tu vois comment ils ont été maintenant, on a rassemblé 65 000 personnes contre le Kazakhstan et l'Azerbaïdjan. Avant, il fallait payer les gens pour qu'ils viennent ou donner des invitations. Maintenant, il y a vraiment un sentiment vraiment fédéral qui est là, que beaucoup de jeunes, il y a un nouveau public jeune qui est derrière cette équipe nationale et qui attend beaucoup aussi. Mais bon, il y a une grande responsabilité, mais c'est ça qui fait le parcours aussi, qui fait le charme. Hein. Et oui, en tout cas, à ta question, c'est sûr, les diables rassemblent. Daniel Van Beut, Ça, c'est clair. regardez. Ça, Il est c'est resté clair. là de la phase arrêtée. Witsel, c'est goal! C'est goal! But de Witsel, exceptionnel! Witsel qui donne raison à son coach de l'avoir mis aussi haut et qui vient marquer de la tête, comme il l'avait fait, figurez-vous. Eh bien, je crois que ça fera demain l'anniversaire de son premier but en équipe nationale. Oh, regardez comme il reste calme, mais à l'intérieur, ça boue, hein.